Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Valence en direct de la Cité de l'Escalade. C'est ici que vont se dérouler les finales des championnats de France de bloc senior 2023. Moi, le Manier qui est le plus jeune, mais Paul et Mejdi ont un an d'écart. Ils étaient dans la même catégorie l'année dernière en U20 et cette année, Paul fait sa première année senior. Évidemment, il y aura de la concurrence, hein, mais on va voir ce que ça donne sur ce premier bloc pour Paul James. Alors, un bloc, hein, on voit... Déjà, pour rappeler la position de départ, hein, donc doit être stabilisé avec les quatre appuis matérialisés par ses scotch jaunes. À partir de là, il se lance dans son bloc. Là, donc déjà, il a atteint la prise intermédiaire qu'on appelle la zone qui va lui rapporter des points. Et qui est très importante, voilà. Dans le décompte final. Voilà. Alors là, c'est bien, il est déjà bien haut dans son bloc. Une très belle le lot, ce qu'on appelle, et le jeté final. Ouais, c'est bon, regardez ça, quelle entrée dans la compétition pour Paul James. Impeccable, impérial. Léo Avezou du club de l'ES Massy. Ils sont nombreux, hein, de l'ES Massy sur ces championnats de France. Un gros club, hein, François. Ouais, c'est le plus grand club de France, hein, je crois, en nombre de licenciés depuis toujours. Mais là, Mineral Spirit, avec leur nouvelle salle, sont en train de les rattraper. Donc bon, maintenant on peut dire qu'on a deux gros clubs en France, que sont Massy et Valence. Allez, on va voir ce que ça va donner. Léo Avezou qui avait acquis le bronze en 2020, il n'avait pas passé le cap des demi en 2022, 9e. Allez, lui aussi, hein, il est grand. Et c'est bon aussi pour lui. Ouais. Dès le premier essai pour Léo Avezou, ça c'est très très fort. Impeccable. On va voir si lui il trouve ça difficile, cette voie. Le phénomène Mejdi Chalk, il nous a impressionné, hein, que ça soit en qualif, que ça soit en demi. Franchement, c'est peut-être le grand favori de cette finale. On va voir ce que ça donne. Allez, attention. Il n'a pas l'air très à l'aise pour l'instant. Et le Chambérien. Il faut rester lucide là. Il n'était pas allé en finale, hein, l'an dernier à Plougoumelaine. Il avait terminé 13e. Ouais, il a réussi à talonner, hein, sur cette micro-prise. Belle technique. Hein. Ouais, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Hein. Dernier mouvement, il l'abdécide. Ouais, bien sûr. Mejdi Chalk valide dès le premier essai ce bloc. Allez, ça enchaîne tout de suite avec Paul Jemft, le champion de France en titre. On va découvrir ce bloc 2 avec Paul. Un bloc à envoyer les 1. Trois appuis, hein, sur le volume gris, les deux pieds, une main, et main droite sur cette prise bleue. Ouais, il est grand, il s'est servi de sa taille. Là. Allez, Paul, ouais. Jemft. Les pieds, hein, sont très fuyants, hein, donc sur ce volume. Et on voit pas bien, mais c'est un bloc très surplombant. Parce que là, on est de face, c'est dans le coin de la salle là-bas, on peut pas mettre la caméra de profil, mais c'est, on voit, ça y est, maintenant il est pendu, on voit bien qu'il n'y a pas de prise de pied. Ouais, là, en no foot, comme on dit dans le lexique, c'est ça. Escalade. Mais en essayant de mettre moins d'énergie. Ouais, c'était presque. Ouais, c'était vraiment pas loin. Et il peut remettre un essai, au moins pour la zone. Allez, il se retrouve un peu dans la même position qu'Adrien Lemaire, là il lui reste un peu de temps. Dommage. Non, ça va pas le faire. Donc quand ils font une double séance dans la journée, il y a une séance d'escalade et puis il y a une séance de musculation ou de. Ouais, pareil, hein. Pour Léo Avezou, lui non plus, n'a pas trouvé la solution et il ne va pas retenter, il n'y a plus de temps au chronomètre. Allez, Mejdi. Ça demande énormément de force. Ouais, là il est même reparti. Si c'est des efforts courts. Allez, 20 secondes à peine là pour Mejdi. Pour tenter de faire le break, de créer la sensation ici à Valence. Ah, on le voit, c'est dur. Ah, dommage. Eh non, eh bien, François, aucun des 6 finalistes n'aura trouvé la solution sur ce deuxième bloc. Allez, le troisième bloc pour Paul Jemft. Alors, attention, là, on change totalement de dimension. On était dans du dévers avec des jetés. Là, on va passer sur un bloc dans une partie quasiment verticale. La prise d'élan. Ouais, superbe jeté de pied. Alors, c'est pas ce qu'on appelle un skate, mais c'est vraiment, on se projette en équilibre sur le volume. Et là, il n'y a aucune prise de main.
Ah si, là, il y a une petite prise. Petite, où il... oui. Où il peut s'appuyer. Attention, là, voilà, à ses pieds. On voit qu'il y a des micro-prises de pieds. Ah, oui, vraiment... Et sur le volume blanc qu'il a entre les jambes, il y a deux micros de pieds. Alors probablement, c'est pour rendre la prise du bas. Allez, un peu plus compliqué à utiliser. La zone est validée. Oui. Voilà, il y a vraiment un travail de précision là. Ah là, c'est tout dans la force des jambes pour se redresser. Ouh là là, il est en train de perdre l'équilibre. Oh, c'est dur, c'est dur. Ça c'est passe. Dur. Et il joue avec sa taille. Magnifique. Magnifique Paul Jemst qui valide ce bloc dès le premier essai. Allez, Léo. Et je crois que Léo n'était pas forcément. Bien joué. Allez, joli saut. Qui a pris beaucoup moins d'élan que Paul Jemst et. Ouais, il restait Thomas. Beaucoup plus haut. Paul, on l'a vu se jeter accroupi. Lui est resté debout. Et lui est grand aussi. Ouais, c'est bien ce qu'il fait pour l'instant. La zone, ouais, c'est ça bon. Ça va le faire. Et ça va le faire, ouais. Et assez facilement. Ah ouais, lui aussi, hein. Il n'a pas besoin de me faire le dernier mouvement avec le micro blanche. Et c'est voilà. Bon, c'est validé pour Léo Abzu en deux essais. Paul Jemst. Il va être seul leader à l'issue de ce troisième bloc, cet avant-dernier bloc. C'est, okay. C'était juste, c'est bon, c'est juste. Allez, on analyse la situation pour Mejdi. Il devrait aller prendre la zone déjà pour assurer cette prise. Voilà, c'est bon. La zone est validée. Voilà, super transfert là, parfait. Hein. Il a retourné la main sans monter. Ouh là là, il y a eu un petit déséquilibre arrière. Là, lui, il est petit, donc voilà, le pied blanc. Ouais, la même technique que Thomas. Et c'est bon, c'est validé pour Mejdi. Voilà, ça va le mettre en deuxième place. Et on va donc déjà arriver à ce dernier bloc de cette finale masculine. Ce quatrième bloc, et rien n'est encore joué. Hein. Non, rien du tout. Il va en faire un dernier. Il tente le dernier. Alors là c'est très même. Compliqué, là, avec toute la fatigue. Mais porté par le public, porté par l'ambiance de Valence, peut-être. Paul Jemst, le champion de France en titre, va-t-il réussir ce dernier bloc? Il a tenu. Il n'aura pas incroyable. Le temps. Oh, quel dommage. Non. Quel dommage pour Paul Jemst. Allez, dernier essai. Il a le temps. Ah, dommage. Et non, ça n'est pas la bonne pour Léo. Et c'est terminé aussi pour lui. Allez, Mejdi Chalk. Ça se joue à un cheveu. Dommage pour lui. La pépite française. Et tant mieux pour Thomas Lemanier qui reste pour l'instant troisième. Ça serait exceptionnel pour lui. Alors, Mejdi, est-ce qu'il va comprendre tout de suite? Hey, ouais, tout de suite, oui. C'est le premier hein, à faire le premier mouvement du premier coup. Hey. Est-ce qu'il va avoir la zone au premier essai? C'est peu important hein, pour lui, la zone au premier essai. C'est le bloc qui va compter pour passer devant, éventuellement devant Paul. Allez, c'est ok cette zone. Allez, c'est maintenant. Là, il est assuré de la deuxième essai, place. Allez, Mejdi, ça tient! Oh là là, il va aller chercher le titre! Incroyable! Mejdi Chalk est en train d'écraser la concurrence, il va aller chercher ce titre! Attention, restez lucide! Il n'est pas simple ce dernier mouvement! Attention! Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi ce placement? C'est bon, ça tient. Mejdi Chalk est le nouveau champion de France. C'est exceptionnel. Incroyable ce dernier bloc. Magnifique hein, ce suspense. Et dès le premier essai, mesdames et messieurs. Eh bien. Et c'était chaud entre les deux partenaires d'entraînement de Chambéry Escalade. Et voici le podium. Mejdi Chalk, seulement 18 ans, est déjà champion de France senior. Ouais.